temps est arrivé où nous devons lire la pensée de Dieu dans les Écritures. Ainsi, nous vous demandons tous de vous tenir debout et nous allons faire la lecture des Saintes Écritures. Nous allons prendre le livre de Luc, chapitre 15. Nous partirons du verset 17 jusqu'au verset 20. Et nous lisons au nom de Jésus. Luc 15, 17 à 20. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je me leverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Que notre Dieu bénisse sa parole. Seigneur Dieu, nous te disons un grand merci parce que tu nous as permis encore en ce jour de nous retrouver devant ta face. Laisse, ô Dieu, que ton onction repose sur nous tous afin que ces cultes célèbrent ton nom, nous connectent au ciel et nous apporte la bénédiction. Maintenant que nous voulons parler à ton peuple, laisse, ô Dieu, que nous puissions disparaître. Mais que toi, tu apparaisses dans toute ta puissance et que le message édifie ton peuple. Je me dresse contre tout ce qui n'est pas de toi, ici, et dans la vie de tous ceux qui sont connectés à ces cultes. Je les neutralise et je les repousse dans les lieux arides au nom de Jésus. Du début jusqu'à la fin de ce culte, manifeste-toi comme le seul Dieu au milieu de nous. Nous te l'avons demandé avec foi au nom de Jésus. Amen. 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 Pouvons nous asseoir. Et nous allons écouter la parole de Dieu. Bien-aimés, pendant ces temps de confinement, nous avions pris l'option de pouvoir utilisez l'Internet pour vous atteindre là où vous êtes. Et nous vous rappelons que les portes des temples et des synagogues sont fermées, mais les portes du ciel ne sont pas fermées. Dieu reste disposé à nous écouter. Ce que nous sommes en train de faire, bien-aimés dans le Seigneur, est conforme à la volonté de notre Seigneur Jésus. Il avait déjà prévenu son peuple que des situations telles que ce que nous vivons maintenant devaient se faire. Se produire. Mais il a donné des instructions majeures. Il a dit, réveillez-vous. Et des deux, il a dit, priez. Réveillez-vous, ça veut dire quoi? Pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes déjà sauvés, par ce qui se passe dans le monde maintenant, cette pandémie, c'est un message par lequel Dieu nous ramène à l'ordre afin que nous ne puissions pas sombrer dans le sommeil spirituel. Que ceux qui étaient tièdes dans la foi chrétienne choisissent maintenant la foi du salut. Que ceux qui étaient un pied dedans, un pied dehors se ressaisissent
pour se repentir sincèrement, revenir au Seigneur. Tandis que ceux qui ne sont pas encore sauvés, qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ, c'est une occasion pour eux maintenant de donner leur vie à Christ. C'est ça le sens de la recommandation, la première recommandation de Jésus, réveillez-vous. La deuxième recommandation, il a dit, priez. Et il dit, cette prière-là va vous aider à vous donner la capacité, la force d'échapper à ces événements malheureux qui vont venir sur la terre. C'est pourquoi nous avions pris cette option de pouvoir vous entretenir sur la prière. Nous avions défini la prière. Nous avons donné pourquoi faudra-t-il prier. De trois, nous avions démontré les conditions nécessaires pour faire de bonnes prières qui sera exaucée par Dieu. Et quatre, nous avons donné des principes. Comment prier. Et aujourd'hui, nous ouvrons le cinquième point sur les sortes de prières. Et il y en a plusieurs. Nous allons énumérer quelques-unes. Première sorte, c'est la prière de repentance. Deuxième, c'est la louange, l'adoration et les actions de grâce. Nous les mettons ensemble. Troisième, c'est la prière d'intercession. On prie pour les autres. Quatrième, c'est la prière requête. Là, vous-même, vous apportez vos dossiers devant Dieu dans la prière. Et cinquième, ça sera la prière d'autorité. Là, nous devons chasser les démons. Et nous allons apprendre toutes ces cinq sortes de prières. Et aujourd'hui, nous allons apprendre la première sorte de prière qui est la prière de repentance. Comme vous le savez, tu ne peux pas plaire à Dieu en venant devant lui dans une position de péché. Beaucoup de gens continuent à venir dans la face de Dieu par l'habitude. Parce qu'ils sont nés dans des familles chrétiennes. Les parents les amenaient à l'église. Soit c'est sa femme qui venait à l'église, lui aussi commence à venir. L'homme venait, la femme commence aussi à venir. Mais ils n'ont pas encore compris devant Dieu, quand on y va, quel est l'habit qu'on doit porter sur le plan spirituel? C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, chacun de nous doit prendre conscience qu'il s'approche devant un Dieu trois fois saint, et pour cela, il doit s'examiner avant d'aller devant le trône. C'est pourquoi depuis l'Ancien Testament, Dieu avait instruit son peuple. On ne pouvait pas s'approcher de lui de n'importe quelle manière. On devait se sanctifier avant d'aller devant lui. Et dès que vous arrivez dans le parvis, la première chose, vous apportez une bête sur laquelle vous imposez les mains et vous confessez vos péchés sur la bête, une préfiguration de transfert de ce que vous avez fait comme péché sur la bête, et la bête devait être égorgée, verser le sang pour démontrer que par la mort de la bête, votre péché est pardonné. Et
Ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, comme nous devons prier selon les modèles d'en haut, le premier pas dans notre prière vertueuse sur la repentance. Et chacun de nous doit s'examiner avant d'approcher devant la présence sacrée de Dieu. Et pour vous expliquer cela, nous prenons la parabole de ce fils prodigue dans chapitre 15, verset 17 à 20. Vous connaissez l'histoire. Un père qui avait deux fils. Le plus jeune demande à son père sa part. Et il fait ses valises, il va très loin. Et le père, donne-moi mon héritage. Je suis déjà adulte. Je vais aller faire ma vie. Et là où il est allé, il a dit qu'il a gaspillé tout ce qu'il avait comme héritage dans le péché, dans la débauche. Et ce qu'il avait terminé, il a commencé à souffrir. Lui qui venait d'une famille riche, il était obligé maintenant de se faire engager auprès d'un autre monsieur pour garder le troupeau et pour garder les pourceaux. Les pourceaux, les cochons. Et là, ce travail-là, la Bible dit que l'enfant commençait à souffrir, il n'avait pas à manger. Et de fois, il commençait à manger la nourriture des pourceaux. La Bible dit, étant rentré en lui-même, il a réalisé que cette souffrance que je suis en train de vivre, c'est moi-même. C'est à partir de ce que je fais. Alors que pendant ce temps, dans la maison de mon père, pas seulement que mon frère continue à jouir du privilège d'être le fils de notre papa, même les travailleurs dans la maison de mon père s'habillent bien, mangent bien. Donc, au lieu de rester, je me leverai et j'irai vers mon père et je vais lui dire: Père, je peux ce péché devant toi et devant le ciel. Je ne suis pas digne que tu me considères comme ton fils. Regarde-moi même comme un mercenaire. Et la Bible dit, ainsi résolu, il s'est décidé de mettre. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, ce texte va nous instruire, va nous aider comment faire la bonne repentance. Écoutez, bien aimé dans le Seigneur, dans la prière de repentance, il y a quatre pas importants. Quatre pas. Premièrement, c'est le fait de reconnaître son péché. C'est là où nous avons des difficultés avec les chrétiens aujourd'hui. Quand ils vivent dans le mal, et que vous lui apportez la parole, ils discutent d'abord. Dit oui, c'est écrit dans la parole, mais moi je pense. Des gens comme ça, même s'ils viennent devant le Seigneur, ils disent: Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Il n'a pas commencé là où il faut commencer. Le premier pas, c'est être d'accord avec Dieu sur ce qu'il condamne et qu'il appelle péché. Étant rentré en lui-même, il a reconnu sa faiblesse. Mon frère, écoute-moi. Tu n'as pas besoin d'épater les gens à l'église. Tu n'as pas besoin d'impressionner les gens quand tu viens au temple. C'est Dieu
que nous prions sonde le cœur et le rein. Si tu es venu véritablement avec ton cœur devant lui, il le sait. Mais si tu as des péchés cachés en toi que tu ne veux pas lâcher, il le sait aussi. Le jour viendra où tout ce qui est caché sera mis à nu. Le jour viendra où les péchés qui sont cachés seront connus de tout le monde. Au lieu que le Seigneur t'humilie au grand jour, commence par reconnaître toi-même. Et c'est alors qu'il va t'accueillir avec joie. L'enfant commence par reconnaître. C'est le premier pas vers la repentance. Mon frère, s'il y a des péchés que tu n'as jamais reconnu que c'est du péché, s'il y a des choses que tu n'as pas encore confessées, que tu n'as pas considéré comme péché, que tu caches, ce sont ces choses-là qui vont bloquer ta bénédiction sur la terre. Amen. Deuxième pas, le fils reconnaît que j'ai péché, j'irai vers mon père, je lui dirai, j'ai péché devant toi et devant le ciel. Dans la repentance, l'homme doit reconnaître chez qui ou quelle est la personne qui l'a offensé. Et c'est devant cette personne que tu dois aller pour régler les comptes. Mon père, j'ai péché devant toi. D'abord, et après, devant le ciel. Tu as volé, tu as commis l'adultère. Tu es dans la magie. Il faut connaître tu as péché devant qui. Tu es dans la magie, dans la sorcellerie, et tu as bloqué les gens dans ta famille. Tu as offensé la famille. Et tu as offensé le Seigneur. Et ta repentance doit dépendre des personnes que tu as offensées d'abord avant d'aller vers Dieu. Le jeune homme a dit, j'ai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Tu peux bien cacher. Mais une chose est réelle. Tu as offensé le ciel et tu as offensé ton semblable par rapport à ce que tu as fait. Troisième pas. Il a dit, j'irai vers mon père et je lui dirai tout. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai. Troisième pas, je dois confesser. Oui, particulièrement ceux qui sont déjà dans le Seigneur se bloquent souvent car ils ne veulent pas s'ouvrir et dire clairement ce qu'ils ont fait de peur de perdre la dignité dans l'église. Ah, si je confesse ça, le pasteur saura que j'ai été un aventurier pendant tout ce temps que je vais à l'église. Si je confesse ça, même ma femme n'aura plus confiance en moi. Ni mes parents non plus. Si je fais ça, mes parents, mes enfants, alors l'homme cache. Or la Bible dit, celui qui avoue ses péchés et les délaisse obtient miséricorde. Il faut commencer par avouer, bien-aimé. Amen. Ça c'est le troisième pas. Quatrième pas, le jeune homme a changé d'attitude. Donc il a abandonné ce qu'il faisait.
loin de son père. Il a tourné le dos. Il a marché dans le sens opposé. Et il a repris maintenant sa position d'enfant de Dieu. Il doit changer d'attitude. En notre terme, tu dois cesser ce que tu viens de confesser. Celui qui a confessé l'adultère doit abandonner. Celui qui a confessé le vol doit abandonner. Celui qui a confessé la magie doit abandonner. Celui qui a confessé la sorcellerie doit changement d'attitude. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, par où commence la repentance? Ça commence au-dedans de toi. D'abord, une prise de conscience, reconnaître que non, ça, c'est un péché. Être d'accord avec Dieu sur tout ce qu'il condamne. Ce que Dieu condamne, c'est un péché. Ne cherche pas de justification devant les hommes. Tu peux convaincre les hommes, mais tu ne vas pas convaincre Dieu. Tu peux même influencer la conception des hommes sur toi par ton attitude, par ton verbe. Mais Dieu, tu ne vas pas les convaincre. Tu ne vas pas les influencer. Le mal reste le mal. Et après avoir reconnu votre péché, tu dois savoir tu as offensé qui? Le ciel et la personne devant qui tu as commis le péché. Et de trois, tu confesses devant le ciel et devant la personne. Et enfin, tu dois changer d'attitude. C'est ça, la repentance. Ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, quand on doit se repentir pour un péché, vous devez savoir qu'on ne fait pas la prière de repentance pour sur tous les péchés de la même manière. Non, chaque péché a une procédure spécifique pour sa repentance. Pour ceux qui nous suivent à la maison, vous allez prendre l'histoire des achats. Vous verrez comment cet homme s'est repenti devant le Seigneur. Et par son exemple, nous allons tirer aussi des leçons sur la façon de se repentir. Et nous en prendrons aussi d'autres. Alors écoutez, la première manière de se repentir, c'est la réconciliation. C'est-à-dire que vous avez eu des problèmes avec les gens. Vous vous êtes séparés. Ne continue pas à venir au temple, à la prière, Seigneur, écoute-moi, alors que tu as des problèmes avec cette personne-là, vous ne vous parlez même pas. La Bible dit ceci. Dès que tu apportes l'offrande devant l'autel, quoi que Dieu aime l'offrande, mais si tu te rappelles que tu as des problèmes avec quelqu'un ou quelqu'un a un problème contre toi, laisse l'offrande. Dieu ne peut jamais accepter cette offrande. Il t'oblige d'aller d'abord arranger. Pourquoi? Parce que cet homme-là, cette personne-là est créée à l'image de Dieu. Malgré ses défauts, malgré le mal qu'il t'a fait, il est l'image de Dieu. Et Dieu dit ceci. Si tu n'aimes pas cette personne, comment tu peux m'aimer moi que tu ne
vois pas. L'amour envers moi, votre Dieu, vous devez le manifester au travers de mes créatures. C'est pourquoi réconciliez-vous avant de venir vers moi. Ainsi, la bonne repentance, bien aimée dans le Seigneur, c'est être en bonne relation avec tout le monde. Ça s'appelle la réconciliation. Il n'y a qu'une personne qui est en harmonie avec tout ce qui peut élever ses mains devant le trône. Seigneur, tu vois mes mains. Je n'ai des problèmes avec personne. Je n'ai personne. Je t'aime et j'aime mon semblable. Seigneur, écoute ma prière. Je suis bien aimé dans le Seigneur. Avant d'aller devant le trône, que chacun de nous examine sa vie. Dieu ne va agréer ta prière qu'à condition où tu es en bon terme avec tout le monde. Deuxième manière de se repentir. La repentance doit être accompagnée de la réparation. Il y a des péchés qui nécessitent des réparations. Par exemple, vous êtes disputé avec la femme. Et la femme est partie. Toi, tu es resté. Tu restes de prier. La femme aussi va prier. Non, bien aimé, vous devez réparer. J'ai suivi un monsieur prier. Après s'être séparé avec sa femme dans des conflits interminables qu'ils avaient, Seigneur, toi-même tu connais le cœur de ma femme. Une femme difficile. Toi-même tu sais comment elle est désobéissante. Et c'est pour ça, Seigneur, que nous sommes arrivés là. Mon frère, tu es venu te justifier devant Dieu ou bien tu es venu pour réparer? C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, si vous êtes dans une même société, dans une même structure, je voulais dire, sociale, dans la famille, au travail, dans le quartier, vous devez tout faire pour être en bon terme. S'il y a des choses qui ont déréglé les relations, réparer, arranger, c'est comme ça que Dieu va vous accueillir. Ainsi, sachez, amis, avec ce que je faisais comme travail, je sais que je ravissais des choses auprès des gens. Je faisais payer des taxes, des impôts, même au-delà. Alors, si je causais du tort à quelqu'un, je vais réparer. La réparation. Troisième, quand vous devez vous repentir, vous devez savoir qu'il y a des péchés qui nécessitent la restitution. Les choses d'autrui que tu as prises sans la permission, détourner ou voler. Il y a des personnes à qui on ne peut pas confier des choses pour aller donner à une tierce personne. Ça ne va pas arriver tel que tu avais donné. Il viendra avec des explications. Quand je suis entré dans le bus, j'avais mis dans la poche de derrière, je n'ai pas compris, à la descente, c'est depuis la totalité. J'ai perdu quelques billets là-dedans. Je pense que c'est le garçon qui était derrière moi dans le bus-là qui m'a volé. Il devait avoir des fétiches. Alors qu'au fond de toi-même, tu sais que tu as volé. Restitution. Quatrième, il y a la prière de repentance qui nécessite le renoncement. C'est-à-dire, quand on est passé par la magie ou la sorcellerie, il ne suffit pas de venir dire « Oh Seigneur, pardonne-moi, j'étais sorcier. » Non.
Là, la procédure est bien claire dans la Bible. Acte 19. Verset 18 à 19. Ceux qui avaient pratiqué la magie, ils venaient déclarer ce qu'ils avaient fait. Ils apportaient même des livres. Et ils confessaient ça devant les hommes de Dieu. Ainsi, on les aidait à sortir de ces histoires. Pourquoi? Parce que dans la magie, dans la sorcellerie, il y a des pactes. Dans les pactes, on ne peut pas se libérer soi-même. Vous avez signé un pacte. Et cela me permet de d'ouvrir une parenthèse par rapport au pacte. On signe les pactes avec le monde des ténèbres de plusieurs manières. D'abord, on peut t'amener à faire une cérémonie. Et par la cérémonie, on t'incorpore dans la sorcellerie. Tu peux signer le pacte par quelque chose qu'on t'a donné que tu as mangé. Tu peux signer le pacte par le sang sacrifié, peut-être symboliquement en donnant une bête. Ou tu as sacrifié une personne, le sang coulé. Ou tu as donné quelque chose, on t'a exigé quelque chose par le marabout, l'occultiste qui t'a initié. Tu as demandé l'argent et puis tu as donné. Ou il t'a amené à faire des cérémonies. Par ces cérémonies-là, et il t'a incorporé. Maintenant, tu ne vas pas te réveiller comme ça le matin, tu dis j'abandonne la magie là. J'abandonne la sorcellerie. Non. Tu dois venir devant un homme de Dieu. Tu déclares ouvertement ce que tu as fait, ce qui s'est passé. Explique-moi, voici comment on m'a incorporé dans la magie. Voilà comment on m'a incorporé dans la sorcellerie. Et voilà ce que j'ai posé comme acte là-bas. Voilà les sacrifices que j'ai fait là-bas. Alors, c'est ça qui va permettre maintenant à l'homme de Dieu de pouvoir te sortir de là. Parce que tu as renoncé. Mais si tu caches, tu viens à l'église, donne les offrandes, donne les dîmes, tu parles en langue, tu prêches même, tu chantes très bien, tu as l'air d'un bon frère, d'une bonne sœur, tu trompes qui? C'est cette attitude-là qui va renforcer l'alliance ou le pacte que tu as signé dans le monde de Dieu. Mais pour que tu sortes de là, il faut exposer cela en déclarant devant l'homme de Dieu ce qu'il y a eu dans les ténèbres. C'est comme ça que ces liens-là n'auront plus de pouvoir. Et si on t'a donné des choses physiques que tu gardes, tu les remets à l'homme de Dieu. On va les briller. Si on a fait des signes sur ton corps, il faut le dire. Loba. Si on t'a fait boire des choses, il faut le dire. Loba. Il faut dénoncer. Et c'est comme ça que l'homme de Dieu va te conduire dans la prière de renoncement. Et enfin, il y a le pardon à demander et le pardon à recevoir. C'est-à-dire, on t'a fait des choses. Et ça t'a blessé, ça t'a indigné. Tout ce que cela peut produire en toi. Tu n'es pas dans le droit de garder rancune parce que tu as raison.
Yoko kanga batwana na motema kaka te poete yo yebete yonde basala ki mati. C'est pourquoi Jésus a dit. Nengwe solobi. Si on t'a offensé, so ki basala yo mabe, il faut pardonner combien de fois? Olimbi sambala boni 77 fois 7. 70 fois 7, c'est-à-dire éternellement. Il m'a fait ça. Tel jour il a fait ça. Tel jour il a fait. 70 fois 7, c'est-à-dire 7 jours sur 7. Chaque jour, jusqu'au retour du Seigneur, tu dois pardonner. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. La première prière que nous devons faire, c'est la prière de repentance. Et cette prière répond à un certain nombre de principes. Quatre principes. Reconnaître d'abord, savoir qui on a offensé, confesser le péché en question, changer d'attitude. Et tous les péchés, on ne se répand pas devant ce péché de la même manière. Devant certains péchés, ça va nécessiter que tu puisses te réconcilier avec les personnes avec lesquels tu es séparé à cause des conflits ou des problèmes qui ont surgi au milieu de vous. Il y a des péchés qui nécessitent qu'il y ait la réparation des torts que tu as causés aux autres. Non, réparation des torts que tu as causés aux autres. Tu répares les torts. Tu répares ce que tu as fait. Ce que tu as détruit là, tu arranges. Et la restitution, c'est-à-dire retourner les choses d'autrui que tu as volées. Que ce soit les biens, que ce soit les maris d'autrui, que ce soit la femme d'autrui. De quatre, renoncement, c'est-à-dire le mal qu'on tu as fait dans le monde des ténèbres, dans la magie ou la sorcellerie. Tu dois voir les hommes de Dieu, déclarer ce que tu as fait, déclarer ce qu'il y a eu. C'est comme ça que les hommes de Dieu vont t'aider à briser les alliances dans lesquelles tu t'es embourbé. À ce stade, retenez que l'auto-délivrance n'existe pas. Un sorcier ne peut pas entrer dans un jeûne de 21 jours et puis il sort de là, la sorcellerie est partie. Non, c'est une alliance, il faut que quelqu'un d'autre vient te libérer de là. Donc il y a coquille qu'on compte à Mikola, coquille la paix pour Sambe la Mamolaïte, Père Mikangol, la Gindoke Sengeli, Motomosusunaya Kokangola, Yokatina. La procédure est simple. C'est là la chose à péter. Tu viens voir l'homme de Dieu, oui, tu exposes tout ce qui s'était passé. Tout ce qui s'était passé dans les ténèbres. Et l'homme de Dieu va t'aider. Dans la prière de renoncement. Et enfin, le pardon à accorder et à demander. N'attends pas qu'on vienne te demander pardon sur ce que les gens t'ont fait. Comporte-toi comme Jésus. Que ton pardon pour les autres soit permanent. Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il y a des personnes qui nous offensent par ignorance. Quelle ignorance, parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Mais les gens qui connaissent la parole de Dieu comme nous, ils se gênent d'offenser les autres. Il se gêne d'injurier. Il se gêne de pouvoir faire du mal aux autres. Mais si tu n'as pas ce cœur là, c'est que tu ne connais pas encore Dieu. Alors moi en tant que chrétien, mon pardon sera permanent. Je sais déjà que j'aurai affaire aux hommes, aux femmes qui vont me causer du tort. Jusqu'au retour du Seigneur. Tout le monde dans mon entourage ne marchera pas comme moi je veux. Et moi je ne suis pas Dieu ou le soleil qui réglemente la marche des autres. Je ne peux pas obliger aux gens qui vivent avec moi d'être comme moi.
moi, j'ai fait un effort pour être beaucoup plus excellent parce que je sais que le Seigneur revient bientôt. Mais quand je suis devant des réalités comme ça, je comprends qu'ils n'ont pas encore compris ce que moi j'ai compris. C'est ça qui va me permettre de leur accorder mon pardon. Voilà ce qui va vous permettre, bien-aimé, d'approcher le Dieu trois fois saint. La prière de repentance. Que notre Dieu bénisse sa parole. Voilà, bien-aimé, après le cantique que nous allons exécuter avec nos bien-aimés du groupe d'adoration La Rédemption, nous allons nous plonger dans la prière. Que chacun rentre en lui-même et dise à Dieu, je suis ton fils, mais j'ai marché selon mes pensées, mais j'ai découvert qu'en marchant de cette manière-là, je me suis privé de ta grâce et de tes bénédictions. Et je réalise que beaucoup de choses sont bloquées dans ma vie et les bénédictions que je devais déjà avoir se repoussent loin de moi à cause de mon attitude, à cause de ma marche. Je reviens auprès de toi. Tu es mon père. Et tu as dit que tu ne mettras pas dehors quiconque viendra vers toi. Mais voici sincèrement devant toi, reconnaissant mes faiblesses, prions, demandons pardon. Reconnaissons le Seigneur, reconnaissons le Seigneur,
Après avoir demandé pardon, nous allons solliciter la puissance du Saint-Esprit afin que nous ne puissions plus rentrer dans le même péché. Qu'il nous donne la capacité spirituelle d'être au-dessus du péché. Que nous puissions être remplis de la puissance du Saint-Esprit. Et si nous allons chanter un cantique qui va préparer nos cœurs à recevoir la puissance de Dieu. Pendant ce moment de la pandémie dans le monde, nous allons demander à Dieu de nous couvrir et nous et nos familles et tous les chrétiens
de l'ombre de sa main. Tozo senga nzambe azinga biso na ilinga loboko na izala biso ba ya mabota na biso pe ba diminyos. Prie pour ta famille. Sambe la pona pour tous les chrétiens dans le monde. Pona ba Kristo nyoso na mwe. Dieu le couvre. Zamba zinga. Que cette pandémie ne les touche pas. Boko no et ne s'approche pas de leur maison. Et kota na banda. Prions le Seigneur. Nous allons prier pour tous les païens dans le monde. Que ce fléau les amène à la repentance, à la conversion. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Bien-aimés, quand les humains sont dans des difficultés, dans des problèmes, le diable en profite toujours. Pendant cette pandémie, le diable a ses actions. Il a des intérêts qu'il veut tirer. Il a des plans aussi. Et nous allons tenir tous ces plans en échec. Nous allons renverser tout le plan de l'ennemi. Qu'il ne puisse pas réussir. Que ce soit dans nos maisons. Que ce soit dans nos pays, que ce soit en Afrique, que ce soit dans le monde, que le diable soit dans la confusion. Prions le Seigneur. Pour terminer, tu peux parler avec ton Dieu et lui confier tes dossiers, tes problèmes, tes difficultés. Prions le Seigneur. Venons déposer des doigts en ta face parce que nous avons beaucoup besoin. Les problèmes de santé, les problèmes de mariage, les problèmes des études, les problèmes des voyages, les problèmes d'élévation, beaucoup sont de l'argent, Seigneur, la maternité, le Dieu, le Seigneur, le droit seul qui peut résoudre tout ce problème. Si tu es un homme, un homme qui est fatigué, des milliards de personnes qui sont sur sa tête, des connaissances, qui sont venus à la maternité.
Merci parce que tu as commencé avec nous ce culte et tu viens de terminer avec nous. Amen. Dieu de miracles, nous voulons contempler ce que toi tu es pour nous. Amen. Nous voulons te dire ce que toi tu es pour nous. Tu es ce qu'aucun homme sur la terre n'est. Amen. Tu es le seul Seigneur qui écoute les cris des hommes, yes, des milliards et des milliards des hommes qui sont sur la terre, qui se réveillent le matin, tournent le regard vers toi. Et toi tu es capable de répondre à chacun de nous. Tu vois tous ceux qui ont tout leur cœur tourné vers toi dans le monde pendant ces moments de la pandémie, Seigneur. Tu connais ceux qui sont vraiment sincères avec toi. Et tu as dit, demandez, il vous sera donné. Lève ta main, Seigneur, pour garder, protéger tous ceux qui t'ont fait confiance. Que ce fléau ne les touche pas au nom de Jésus-Christ. Nous venons cacher nos familles. Nous venons cacher tous les enfants de JCR ainsi que leurs familles. Nous venons cacher tous les chrétiens et toutes les personnes de bonne volonté, Seigneur Jésus-Christ, sous l'ombre de ta main. Ne permets pas, Seigneur, que l'ennemi ne puisse le ravir ni les toucher. Avec tout du pouvoir que tu m'as donné, ô Seigneur, je viens détruire, paralyser, renverser tout ce que le monde des ténèbres prépare pendant cette pandémie contre nos vies, contre nos familles, contre nos pays, contre notre pays, la RDC. Ce que le diable est en train de préparer contre l'Afrique et le monde, je le rends nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Que l'ombre de ta main, Seigneur, couvre tous ceux qui sont tournés vers toi dans la foi. Protège-les, Seigneur, afin qu'au terme de cette pandémie, que nos bouches soient remplies des cantiques de louange. Dieu de miracles, nous tenons en échec tous les projets des scientifiques et des occultistes. Nous sèmons la confusion dans leur camp au nom de Jésus-Christ. Nous disons, Seigneur, que l'Afrique sera épargnée. Amen. Nous disons, Seigneur, que la RDC sera épargnée. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Accepte, Seigneur, que tous ceux qui ont participé à ce culte, même tous ceux qui vont nous suivre en différé, Seigneur, qui bénéficient de toutes les bénédictions que tu as déversées sur ce culte. Amen. Que leur famille aussi soit bénie. Amen. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent. Amen. Que l'Éternel Dieu fasse de vos ennemis votre marche-pied. Amen. Que tout ce que vous allez entreprendre et tout ce à quoi vous allez toucher prospère. Amen. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons fini pour aujourd'hui. Notre prochain rendez-vous, c'est le mardi 22, mardi 21 et jeudi 23. Malinga mito silici pona mokolo na lelo, peto kokuta na lisusu na direct mokolo ya mardi le 21 pe jeudi le 23. Et le dimanche 26 avril. Et dès que vous avez suivi, avant d'arrêter, tu peux partager déjà avec les autres. Et tu peux aussi commenter. Tu peux partager avec tes amis. Et suivez-nous sur notre chaîne YouTube JCR TV. Bon, la Nabiso, pe na chaîne YouTube, Nabiso JCR TV. Il y a nos prédications là-bas. Ba mate, Nabiso, ki toko ezali. Et il faut vous abonner. Et sengeli po s'abonner na pa chaîne Nabiso. Nous avons besoin d'au moins 1000 personnes. Tozala pour ça,
Bato soki baza monke baza la 1000 o ba s'abonner la chaîne. Et dès que tu t'es abonné, tu invites aussi tes amis, la famille, connaissances pour que nous puissions faire ce chiffre là de 1000. Yo soko s'abonner ko kanga motema te kabole la pe ba susu pe ba s'abonner pour to koma motango monene. Je sais que tu vas le faire. Na yebe te ko sa la gloire de Dieu. Pour la kembonanza. Et je vous demande de garder contact avec vos pasteurs pendant ces temps difficiles. Mais na seigne mino bo bate la bo ko benga na na ba sala nzambe tango nyoso. Et demande à toutes nos extensions d'honorer leurs engagements de payer les loyers des temples jusqu'au moment où on va ouvrir les temples. Soyez en contact avec vos pasteurs. Et que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin pour notre culte de ce jour. Nous tenons encore à insister sur un point, la prédication sur la prière, c'est un enseignement pratique. Donc après maintenant, ne te retiens pas à pratiquer selon ce que tu as appris particulièrement sur la repentance. Ne te retiens pas, exerce-toi aujourd'hui jusqu'à mardi où nous aurons encore un nouvel enseignement. Et c'est dans ce sens-là que Dieu va te visiter. Merci encore à l'équipe qui nous a accompagnés, l'orchestre La Rédemption. Et l'homme de Dieu qui nous a prêché, toi qui n'es pas de la communauté, c'est le patriarche Richard Kalongi, le représentant légal de la grande communauté JCR, Jésus-Christ le Rédempteur, représenté ici en RDC et partout dans le monde. Ainsi dit que Dieu vous bénisse, nous chantons un cantique avec les bien-aimés pour mettre l'ambiance dans nos maisons. Yes, I'm